Ah, il y a un dé en face. Ah non. Ah si. Mais la lutte n'est pas finie. Un travail de forge, oh. Ça t'intéresse ? Salut. Justement, on parlait de toi tout à l'heure, donc tu tombes vraiment bien. Y'a Clappy ! Clappy ! Youpi ! Oh, j'avais peur qu'il y soit pas. Y'a Clappy ! Y'a Clappy ! Il est trop mignon. Je vous fais de bois. Il est mignon ! Y'a pas une super offre de stage pour vous. Pour vous. Va-t-elle faire pendant qu'il est encore chaud ? Ou ce que tu veux. J'ai une mission parfaite, oui, pour quelqu'un comme toi. Et par comme toi, j'entends quelqu'un prêt à se tuer à la tâche pour un boulot dangereux. J'adore ça, me tuer à la tâche. C'est quoi la mission ? Le forgeron de cette forge, Maître Pilon, est parti faire une livraison et il m'a confié, à moi, la responsabilité de forger du matos magique en son absence. Le truc, c'est que j'ai un peu pipoté sur mon CV. Il parle toujours. Je connais absolument rien en forge de trucs magiques. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut d'abord extraire du minerai magique. Toi, tu prends la pioche et tu sues de l'arrêt pour extraire le minerai, tout en évitant les animaux sauvages. Moi, pendant ce temps, je prépare la forge. Et ça, c'est pas de la tartiflette. Tout est prêt à présent. Mon petit clapou. Moi, hein. Pour être magique, salut, Len. Voilà la carrière. Il n'est pas en bois. On dirait que Maître Pilon a tout verrouillé. Tu sais crocheter des serrures. Une petite cheminée. Oui, on sait crocheter des serrures, regarde. Tu me prends pour qui ? Bravo pour l'huile de coude, disciple. Allez, à toi de jouer avec le minerai. Alors attends, il y a un dé juste au-dessus. Plus vite, disciple ! On n'a pas toute la journée. Yo. Enfin, toi, si. Tu as toute la journée, mais moi, non. J'ai plus. Salut, les copains. Alors secoue-toi un peu le popotin et fais chauffer la pioche. Même si c'est bizarre, dit comme ça. Très bien, c'est disciple. Bon. Rapporte ce minerai magique par ici pour que je puisse fabriquer mon cheddar. À présent, il faut que tu déposes les morceaux de minerai ici pour les fondre en blocs de métal exploitable. Fonds le minerai, disciple. Fonds le minerai. Ticlapi. Nickel. À présent, je vais me retrousser les manches robotiques et pilonner ce tas de ferraille débile pour en faire une arme magique digne des dieux. Oh, mais pourquoi ça marche pas ? Ce marteau. Tu as l'air en difficulté. Je veux dire, encore plus qu'à l'accoutumée. Oh, c'est ce satané marteau ! Maître Pilon a pris le bon marteau avec lui ! Et ce minerai magique est trop puissant pour les outils ordinaires ! T'as qu'à essayer, toi ! Prends ton meilleur outil, allez ! Je l'ai assoupli pour toi. Je t'ai fait tout le boulot. J'ai réussi. J'ai forgé l'arme ultime. Oh bien. Attends une minute. C'est quoi ça ? Oh, un barbecue. C'est pas de bol, mais au moins, on a tenté de faire ça bien. À présent, il est temps de recourir à ce que tu sais faire le mieux. Voler le matos des autres. On va pas se mentir. On savait, toi et moi, que ça finirait comme ça. Insinuerais-tu que tu possèdes toi aussi des dons de divination ? Où dois-je me rendre ? Vers la montagne du désespoir ! C'est pas le nom officiel, mais je suis un peu au bout du rouleau moi-même, donc je vais l'appeler comme ça. Et prends la pioche ! Ce serait débile de passer à côté de bons minerais. Si tu en trouves en chemin, rapporte-le. Ça te fera des pièces en plus. La montagne est pleine d'aventuriers qui se sont perdus et ont cassé leur pipe en transportant des tonnes de trucs magiques. Toi, ce que t'as à faire, c'est de récupérer tout ça et de le rapporter ici. Après, je dirai à Maître Pilon que c'est moi qui l'ai fait, et il sera impressionné, et il me donnera sans doute une promotion. Ça veut dire plus de responsabilités que je transférerai sur ta personne, moyennant un petit billet. Qui sait ? Je suis arrivé à la montagne. On commence par quoi ? On cherche l'anneau qui a appartenu à Kadjaro. L'anneau du feu dansant de Kadjaro lui permettait de marcher sur la lave. Mais sa maladresse légendaire a eu raison de lui. Il est tombé dans la rivière et a brillé comme une chips. Tout ce qui reste, c'est cet anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Incapable de comprendre qu'une seule roue vaut mieux que deux jambes. Ça vous fait deux fois plus d'ennuis. Pas étonnant que vous trébuchiez tout le temps. Dit-il alors qu'il ne sait pas monter les escaliers. Hein. Calme-toi. Waouh. Wow. C'est toi ? C'est eux ? C'est quoi ? Non, c'est eux, hein. Ah d'accord, hein. On en est là. Ah, il est là ! Brise-moi cette trocaille et récupère l'anneau !
Un pendentif. Ah, l'anneau, c'est une montre. C'est pour toi. Enfin, il y a des dégâts de glace, mais en même temps, pouvoir de sème, du sème la mort. J'aurais préféré arracher un anneau à une vraie main. Ha ha! Beau travail! Allez, attrape la joncaille magique! Ça lui manquera pas, va? Formidable! Pour le prochain objet, je veux un truc trop frais, mais littéralement trop frais. C'est quelque part dans les antres glacés, tu trouveras la cape de Runald. Remue-toi, disciple! Ah, c'est pour remonter ça. De ton maître. Jamais. Runald était un barbare qui voulait zigouiller les gobelins des glaces. Le bumper, c'est pour remonter. Que sa cape de résistance au froid le protégerait. Bon, c'est comment sortir? Runald est mort congelé, mais la magie a conservé sa cape en parfait état. On pourrait suivre les règles de Kraft pour concevoir notre propre matos. Sérieux? Ça a l'air hyper relou, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, tabasser les gens et leur voler leur matos, c'est plus rapide et plus rigolo. Ah ouais. C'est une quête de Kraft. Ah, Fred, ma poulette, promis, la prochaine fois on pourra raconter tous ces trucs barbants et lancer les dés comme t'aimes. Mais là, on fait à ma manière, avec des flingues, du butin, de l'aventure et des trucs vraiment marrants. D'accord. Ouais, il faut aller par là, on n'a pas été par là. Ils sont 17, ils étaient pas 17 hein, tout à l'heure. C'est de pas agresser le gars, c'est bien ça? Voilà. T'inquiète, je suis sûre que ça va être hyper fastoche. Vu que vous êtes des experts en délicatesse, ouais, y a mon deuxième prénom, pas plus zen que vous. Oh, la délicatesse, je sais faire. Je l'ai mis sur mon CV. Oh, j'adore quand tu crois vraiment à tes bobards. C'est trop mignon. Oh. T'as pas supplié, c'est déjà ça. Voilà la cave. Oh, elle est coincée. Tu vas devoir donner des coups pour la libérer de la glace. Extirper la carte. La cape, la carte. La cape. Des gobelins de glace. Repousse-les, disciple. Oh, mais t'es débile. C'est de la glace magique. Tu peux pas la débiter. Tu vas devoir tuer les gobelins des glaces pour briser leur enchantement glacé et prendre la cape. Splendide! La mort des gobelins des glaces a libéré la cape de leur enchantement givré. Chope-la vite, avant que d'autres gobelins se pointent. Maintenant, dépêche-toi de revenir ici. Reviens-moi, disciple. Il me tarde de te voir et d'apprécier ta compagnie. Non, c'est pas vrai, c'est pour rire. C'est pour rire. Ça vous dit pas qu'on garde tous ces objets magiques déments rien que pour nous? C'est pas très héroïque, tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? On les a gagnés à la régulière? On a failli crever, alors fais pas des manières! Ah, cool, ça arrive. Mais on a accepté une quête. Une quête remplie de bobards! Si vous terminez pas la quête, l'XP vous passe sous le nez. Oh, mais je débloque bientôt une capacité de classe trop stylée! Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, Balou. Oh, qui aurait cru qu'être un héros comportait autant de dilemmes moraux? M'éclater l'arrêt. Ouais, il veut t'éclater l'arrêt, pour rire. Coucou, Glabby. Ah. Tu as sous-traité ton apprentissage quand j'avais le dos tourné. Il a pas l'air très content. La guilde des forgerons va me couper la tête. Ou l'une de nos têtes, en tout cas. Maître Pilon, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'avais juste besoin d'aide. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pour atteindre les outils sur l'étagère du haut. Mais j'ai fait tout le reste. Très bien. Dans ce cas, voyons un peu ça. Avec grand plaisir. Allez d'ici. Toi, là-bas, place mon travail sur le mannequin, là-bas, pour que Maître Pilon puisse s'extasier devant ma dextérité. Vous voyez, Maître, je vous avais dit que j'en étais capable. Regardez-moi cette beauté. Oh, beau travail, disciple! C'est véritablement le travail d'un prodige! Ce prodige, en réalité, c'est moi qui ai forgé ces pièces! Je vais vous pilonner la caboche à toi et à ton acolyte! Bonne mission! Ah, disciple, protège ton mec! Robo, que cela te serve de leçon pour ta usurpation d'identité. Disciple, mais qu'as-tu fait? Tu as tué le maître des forgerons! Ou plutôt devrais-je dire ex-maître? C'est moi le patron à présent.
Je savais que j'allais avoir une promotion. Tu peux récupérer la pioche de ce guignol, au fait. C'est pas comme si j'allais l'utiliser. Piocher, c'est pour les andouilles. Possèdes-tu des organigrammes? À présent, prends tes clics et tes claques, ainsi que ton petit pécule. Tu as un passé d'assassin de maître forgeron, donc ça te fait ipso facto dégager de mon programme de disciple. Mais je suis sûr de trouver rapido d'autres aventuriers prêts à tout pour te remplacer. Oh, ah ouais, comme ça. C'est comme ça, tu nous aimes plus. C'est fini. Je présume que tu es le sorcier machiavélique. C'est exact. Je m'enorgueillis de trouver de nouvelles façons de terroriser les andouilles de ce village. Et avec ce parchemin, pas piqué des vers, piqué je vais ouvrir une tombe ancienne qui renferme une arme plus horrifique que tout ce que tu peux imaginer. Tuer cet énergumène serait éminemment satisfaisant, mais j'ai promis de faire preuve de retenue. Je ne vois qu'une seule solution. Ah, intimider. Ah. Moi, j'intimide. Vas-y, intimide alors. Je n'hésiterai pas à employer la force s'il le faut. Je te somme de cesser d'incommoder le village. Ah, je n'ai que faire de tes menaces. Tu crois vraiment qu'une simple arme profane peut me vaincre, moi, Badard le sorcier? Badard le sorcier. Fléau de ce village? Imbécile, tu ne m'attraperas jamais. Oh si, t'inquiète. Hein. C'est ce qu'on va voir. Enlève tes sales pattes de là, espèce de sale lutin lubrique. Mais... ou je proférerai de nouvelles menaces à ton encontre. Non, ne me fais pas de mal. Je suis bien plus frêle qu'il y paraît. Promis, je laisse le village tranquille. Je te laisse même ça. Tu l'as attrapé? Ouais. Ça ouvrira une grotte ancienne. C'est barré. Avec à l'intérieur une arme. Je sens un grand changement dans le tissu magique de l'univers. Le sorcier a entendu raison. Oh, nous avons réglé cela à l'amiable. Il m'a même offert ce fascinant parchemin qui donne accès à une caverne recélant une arme. Une arme, tu dis? Tu as clairement les qualités nécessaires pour résoudre nos problèmes de manière pacifique. Je te laisse t'occuper de cette arme. Il ne faudrait pas qu'elle cause du tort à notre paisible village. Comment on a pu croire qu'intimider un mégalo pareil allait marcher? J'en sais rien, moi. J'ai paniqué. C'était ça ou l'embrasser. J'avais rien d'autre comme idée. C'était ça, ta seule autre idée? Pas étonnant qu'on soit sur liste noire sur Edon 6 maintenant. Vous allez nous le payer. C'est pas grave, mon gars. Tu fais la hyène. Snack. Écarte-toi, Manon. Dégueulasse. Tu m'empêches d'accéder à cette caverne. Pas question. Je me moque de savoir qui t'envoie. Le risque est trop grand. On en a marre de la violence. On cache quelque chose, sale fasciste. Voyons ce qu'il y a là-dedans. T'as vu son nombril? Dégueulasse. Bien. Ah, mais bon. Je dois m'efforcer d'obtenir une alternative non violente. Non violente? Alors, franchir la porte, déférer snack, ou soudoyer, ou séduire. Pas de violence, hein, c'est marqué. Moi, je dirais bien un pot de vin, mais... Non, elle fait pas du pognon. Et que mort aux fascistes! Mort aux fascistes! Bienvenue dans la résistance! Voilà. Reviens ici tout de suite! Stop! C'est un ordre! Ah non. Le danger guette. Ceux qui osent s'aventurer. Merci d'avoir essayé d'embrasser personne, la bleusaille. Les baisers, oh, ça me dégoûte. L'humidité et tout, oh. Je vous ai tendu des méga perches. Je les pousse juste sous votre nez, mais vous vous en foutez complètement. Je suis trop deg, là. Non, mais sérieux, vous abusez grave. Vous avez jamais joué à un jeu de rôle? C'est pas possible. Il va se détendre. Après, on fait pause au repas. Il est temps d'utiliser ce parchemin. Voyons ce que cache ce tombeau antique. Ce tombeau sera votre tombeau. Bon, je vais juste lire ça.
Aperta dilatato foraminis. Ah oui, lire un truc, donc, ce... à présent, oui. Il faut tirer, c'est les bio, pas ça. Ah, oh, des trous en forme de crâne. Stylé. Oh, merci d'avoir remarqué. Vous avez terminé. Comment bonjour. Tu me tirer de mon sommeil. Pardon. Centenaire. Je suis Brunfeld, gardien du trou obscur. Ça devient pesant au bout d'un moment. Mais passons. Tu as envahi mon vieux trou et personne n'a le droit d'entrer ici. Je garde. Non, envahi ton vieux trou. Non. Alors déjà non. Et impie. Ah, on peut l'attaquer, le séduire ou l'écouter. Temps passé. Beaucoup. Excusez-moi. Beaucoup de gens. Oh, mais qu'ai-je fait? Non. Ah. Non. Il y en a un autre. Ça va. Je vais bien. Je vais bien. Et je n'hésiterai pas à t'ajouter à la liste de mes victimes. C'est une liste très longue. Non. Je peux. Il est tombé dans un trou. Si tu le souhaites. Avant le combat. Je crois qu'il a fini en dépression, le mec. Hein. Là, imbécile. Jamais tu ne survivras à mon coup. Super. Hein. Qu'est-ce qui l'a attaqué? Bah, c'est toi. Bah, non. Non, je voulais connaître la fin de l'histoire. L'arme est entre vos mains. Maintenant, tirez-vous d'ici en vitesse. Ouais, ça, je veux bien. On n'a pas démérité, question non-violence. Ouais, complètement. Mais j'ai aussi appris un truc aujourd'hui. La violence est la réponse à beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. Mais putain, moi je veux connaître. Comme tu dis, oui. En avant ! Destruction ! Mais non, laisse-le. Avec Snake. C'est toujours lui. C'est trop bien, ça. Rien de plus normal. J'ai effectivement dû oxyre un vieux gardien, mais rien de plus. Ouais. J'étais pas c'est pour. Décevant d'entendre que tu as eu recours à la violence, mais je te suis tout de même reconnaissante d'avoir fait un effort. Garde cette maudite arme et bon vent. Ah. Bon, je te dis à tout à l'heure. Eh ben écoute, à toutes, des bisous. Des bisous et bonne app. Ouais. Bisous. Bisous.